Hello everybody, everybody, hello, c'est Kent et aujourd'hui on est sur Monsieur Mosquito, un jeu de PS2. Donc c'est l'été des Yamada. Donc c'est l'été dans la famille Yamada. Donc on joue à un moustique. Donc c'est un jeu très 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 original. Donc ça fait longtemps que je voulais vous faire ce jeu, mais je n'avais pas le PC adéquat pour faire tourner un émulateur PS2 et vous proposer ce jeu qui est que j'ai jamais joué. J'ai vu ça il y a 2 ans peut-être et je me suis dit putain, il faut que je fasse une vidéo sur ce jeu. Donc on va appuyer sur start en espérant que... Chez les Yamada. Merci madame. C'est l'été. Vous aimez l'été? Oui. L'été, ça rend les gens fous. Ah ok. Et ils commettent des actes horribles. Tenez, prenons l'exemple d'un petit moustique sans défense. Sa vie est bien courte et il n'a donc pas le temps de faire grand-chose. Pourtant, en un seul coup, un être humain peut balayer sa petite vie si précieuse sans même se rendre compte. Je suis sûre que vous avez déjà compris que vous étiez un moustique. Vous savez, cet insecte qui pique les gens et qui les fait se gratter. Cet insecte qui donne des boutons. En tant que moustique, il y a une chose que vous devez faire naturellement. Vous devez sucer du sang. Vous devez sucer et stocker autant de sang humain que possible afin de passer l'hiver et connaître le printemps prochain. Toutefois, sucer du sang n'est pas sans risque. Ça peut vous paraître surprenant, mais sachez que vous n'êtes pas le bienvenu dans la maison des Yamada. Mais bon sang, pourquoi? Parce qu'à cause de vous, ça les démange. N'oubliez surtout pas qu'ils feront tout leur possible pour se protéger de vous. Malgré tout, je vous souhaite un bon été à jouer aux vampires. Une dame très 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 bizarre, hein, qui parle très lentement. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Elle fait peur. Le chargement bizarre. Donc... temps de jeu, 4 minutes, c'est bien. Lancez le briefing de la prochaine mission. C'est quoi? Couleur. Vous ne disposez que d'une seule couleur. Vous devez réussir dans le temps imparti en combat pour débloquer de nouvelles couleurs. Yeah! Mission! Voici la chambre de Rena. C'est la fille des Yamada. Aujourd'hui, elle a fait une sortie avec son école et s'est vaporisée de produits anti-moustiques. Mais ça fait un moment déjà. Et à certains endroits, il ne doit plus y en avoir. Vous devriez viser ces zones. Bonne chance pour les trouver. Merci, Madame Bizarre. C'est parti. Donc, j'ai jamais joué au jeu, les amis. Donc, je le découvre avec vous. Pousse-toi, papa. Arrête de me coller. Ouf. Qu'est-ce qui fait chaud? Parle mal, hein. Ce serait pas le bon moment pour prendre une photo de famille? Oula. J'en ai très envie. Pourquoi pas une photo de toi et papa seulement? Je veux pas être dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu ne serais pas dessus? Je vois pas pourquoi on fait toujours les mêmes photos tous les ans. On prend une photo chaque année. Un point c'est tout. Dis quelque chose, Kenichi. Pourquoi vous ne voulez pas être sur la photo tous les deux? C'est tellement casse-pied. C'est moi ou il se parle bizarrement? On n'a qu'à pas s'embêter cette année. C'est à cause de moi, c'est ça? Vous ne voulez pas être sur la photo avec moi, hein? Oh, oh, maman! Kaneyo! C'est quoi ce jeu? Je veux pas d'ennui, moi. Je vais dans ma chambre. Ouais.
Ils se parlaient de façon bizarre. Soit ils étaient allongés, soit ils se parlaient tête contre tête, ce qui est très très bizarre. La mère qui boude parce qu'elle a pas une photo. Et les autres qui veulent pas faire une photo, ça leur prend 3 secondes et demie d'en faire une. Bon, on s'en fout. Nous, on est là pour piquer des gens. Je suis si fatiguée. Ah ouais. Adore. Space. C'est bon, je peux jouer un jour, non? Mission 1. Sucer le sang de Rena. Sucer 2 doses de sang. Il y a un sachet bonus. Oh! Je bouge! Comment j'avance? Ok, ça c'est vue arrière. Ça c'est demi-tour. Ok, j'avance comment? Carré? Triangle? Okay, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment on avance, les amis. Ah, ok, j'avance. Ah, ça avance tout seul. Ok, c'est R1. Ok. J'ai ton pied. Ah, oh, je me suis heurté. Comment je fais? Mais... Non, c'est pas ça. Peut-être pas là aussi. Hein. Ah, je suis pas doué, hein, les amis. Bonjour. Tiens, un petit coup de boule. Tu vois pas. Combat. J'en ai assez. Oh bordel. Non. Oh. Sale bestiole. Un combat. Oh my god! Oh my god! Je suis poursuivi. Je suis pris un mur! Non! Ichou! Je suis trop rapide pour toi! Oh, tu peux pas m'avoir. T'es deg ou pas? Est-ce que t'es deg? Est-ce que t'es deg? Est-ce que t'es deg ou t'es? Et je fais comment pour me cacher? C'est genre impossible en fait. Oh, le maniement, il est nul. Je vais foncer. Bam, coup de boule. Elle m'a touché là. Ah, les contrôles, les amis, c'est du caca. Ah, c'est pour la relaxer. On fait croix dessus. Ok, là, ok, il y a une cible rouge, regardez. Freiner. Ah, désolé pour ma nobitude, hein, mais c'est pas un jeu facile. Hein. Comment je fais? Ah, regardez, il y a du vernis.
J'aimerais bien m'amuser un peu. Non. Ok. Ok, je viens de comprendre un truc. Je me vois pas. Ah, dangerosité, dangerosité. Combat! Ah! Pour qui tu te prends? Je me prends pour un moustique! Oh bordel! J'ai pris un mur! Oh bah! Vite! Oulia! Oh, elle est ralentie! Et les replays et tout! C'est pas croix, peut-être carré. Ah, c'est rond. Mais arrête de me taper. Ah, les contrôles, ils sont affreux. Ah, le bug, le bug. Ouah, ma... Ça va, tu vas arrêter? Putain, elle m'a fait un combo! Ah, il est dur le jeu, moi je vous le dis. Avec des contrôles en papier comme ça. Entre les jambes, petit pont. En fait, je dois... Regardez, il y a un carré rouge, on est d'accord. Attendez, je vais aller en hauteur. Elle peut pas me voir ici, ok, on est d'accord. Alors là, il y a un carré rouge. Ici. C'est-à-dire que, logiquement... Je dois aller là, comme ça. Oula, 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 on approche d'un endroit bizarre. Mais... Je sais pas quoi faire. C'est pas moi, je te jure. Je te jure, c'est pas moi. C'est pas quoi faire. Moi, j'aimerais bien que tu se le sens, en fait. Il y a une touche que j'ai pas, si c'est pas possible. Oh malheur, encore un combat. Pour qui tu prends? En fait, je suis un moustique donc. Vous avez une autre couleur. Oh super. Ok! Appuie sur la touche R3 pour percer la peau. Elle aime ça apparemment. Faites tourner le joystick analogue droit pour sucer le sang et conserver la boule. J'ai pas compris. Ou croix pour... Les amis, c'est un jeu compliqué et bizarre. Hein. Donc faut être patient. Peut-être faire des ellipses à chaque fois pour bien comprendre ce jeu bizarre. Pour bien faire les objectifs, vous voyez. Donc là, c'est un chat qui fume du toshi. Ah là là, je m'ennuie, je rentre dans ma chambre. Je suis si fatiguée. Ah là là.
Et bah dors, c'était si fatigué. Dors. On a compris là. Alors. Sucer le sang, hein, c'est bien. Deux doses, il faut. Let's go! Je sais pas quoi faire. C'est pas quoi faire? Bah, peut-être que tu peux me montrer où je peux. C'est ton sang, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de carré bleu. Je sais pas quoi faire. J'aimerais bien m'amuser un peu. Vous êtes fait repérer. Pourquoi tu mens comme ça? Je suis fait repérer, mais. Ok, c'est bon, je m'en vais. Je m'en vais, c'est bon. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Eh ben, dis-moi où je peux sucer ton sang, ça m'arrangerait. Je peux pas là. Je sais pas quoi faire. Aïe. Mais. Voilà, on va provoquer un combat. Bonjour. Oh, tu me vois pas. Combat! J'en ai assez! Vas-y, lève-toi. Hein. Sale bestiole! Ah, y'a un curse sur son lit. Nia, c'est moi le patron ici, ok. Super. Super. Je suis prêt que dans le ventre par un moustique, je suis trop relaxé, quoi. Tu devrais essayer. Ah voilà, là on voit. Je pense qu'il faut provoquer un combat en fait. Conserver. Mais putain. C'est bon, je m'en vais. Tu sais que t'es raciste envers la moustique. Tu peux t'en mettre ta jambe là, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, tu tournes ta jambe. Et c'est parfait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé quand même les développeurs pour créer ce jeu. Regardez, il y a plus là. Moi je comprends pas en fait. Des fois il y a, des fois il y a pas. On provoque un combat. Dans ta bouche. Dans tes cheveux. Ah, truc rouge là. J'aimerais bien m'amuser un peu. Hein? Sur la lumière. J'en ai assez. Oui, ta lumière. Pour qui tu te prends? Ouh. Allez. Ok, on peut plus. Faut la calmer. Faut viser son endroit sensible. Ça, je sais faire calmer. Ah bon? Ouais. C'est easy moyen building. On va essayer ça. Ah carrément, j'étais à la lumière. Quoi? Moi, je suis un fou. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Putain, son ombre est bien pourquoi faite, hein. Pourquoi? Comment ça, pourquoi, pourquoi? T'as quand même marche. Je suis un robot. Je m'allonge comme un robot. À l'attaque! Donc R3. Ah, j'ai compris! Allez, on me pépon, on adore ça, nous! Une jauge. On part. On part. Ok, j'ai compris le jeu, enfin, les amis. Son téléphone. J'avais déjà des téléphones comme ça à l'époque. Ah, on peut allumer la radio. On va tester. Attention. Let's go. Yeah. Yeah, yeah. Je suis un moustique, allume les radios. Sois pas deg, sois pas deg. Pourquoi Mongol. En fait, on... C'est moi. En fait, on l'a fait se lever pour qu'elle se rallonge. A chaque fois, ça a rien. Ah si, à voir ça. Ya yeah. Joysticker professionnel depuis 1985. Allez, on y est presque, j'emmerde. Mission terminée. Enfin elle a réussi. Appréciez votre première collation. Putain. Oh. Quoi? Je me suis fait piquer. C'est ça en plus, hein. Alors demain, vous avez un bouton. Vous savez pas comment. Couleur. Parce qu'on en a débloqué une. Allez, on la prend. Il est fou. On fait la mission 2. Voici le débarras des Yamada. Kaneyo, la mère de Rena, cherche ses albums de photos. Le débarras empeste l'insecticide pour vêtements. Essayez d'éviter ces zones toxiques au cours de votre vol. Ok, alors on va faire cette mission et on arrêtera la vidéo juste après. Est-ce que ça me gratte? Ah. Si bizarre, pourtant j'avais mis du produit. Voilà, on se parle toujours pareil. Passe un peu d'huile d'aloe vera. Tête contre tête. Dessus. Pas question. Ça me rend malade. Ne dis pas n'importe quoi. L'aloe vera, c'est efficace. L'aloe vera. Lol. Où est-ce que tu t'es fait piquer? Dans le cul. Putain, il a bien visé le coin. Si. J'en sais rien. Et on la prend cette photo ou pas? Mais tu seras la prochaine sur la liste. Très drôle, ma puce. Ah quoi? Oui, je cherchais quelque chose, moi. Oula. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ce dialogue pourri? C'est quoi ce dialogue qui ne veut rien dire, hein? Expliquez-moi. Donc, ce qu'on va faire d'après le théorème de Pythagore, évidemment, c'est qu'on va sucer le sang de notre victime. Enfin, notre deuxième meurtre. Donc voilà. Oh là là, elle fait peur, elle. On est pas dans un film d'horreur, là? C'est pas un film d'horreur, là? Vous êtes sûr? Oh putain! Oh, le screamer! C'est un film d'horreur. Attention, gaz mortel, c'est de dose de sang. Bonjour. Voyons voir. Donc... Je ne l'ai tout de même pas jeté. Comment je fais? Faut créer un combat? Par ici? Peut pas être la lumière là pour te faire chier. Je peux pas. Le bon vieux temps. Pardon madame. Vous m'avez pas repéré. Je suis invisible. Hey, elle m'a repéré. Un combat. Le combat est lancé. Dans la tête. Yeah, boom. Headshot, my fucker. Ah, genre, ça a pas marché. À l'attaque! Ah, faut un double relax! Oh my god! Yeah! Super!
J'ai une autre couleur, et ouais. Du coup, son point faible, c'est où? Salome dans les tunes. Non! Voilà, j'ouvre un livre. Ah! C'est là! Non, c'est pas ça. Où le son? Où le son est bugué? Et madame, s'il vous plaît, vous pouvez avoir un carré rouge? S'il vous plaît, un carré rouge. Que je puisse pépon votre son tranquillement. Ah ouais, la meuf en fait, elle fait des prises de karaté toute seule dans son dans sa penderie. Je sais pas comment ça s'appelle, son kajibi ou ce que vous voulez. Voilà, je prends deux fois les mêmes livres au cas où c'était peut-être le bon. Alors que tout à l'heure j'ai regardé, c'était pas le bon. Ok, faut attendre qu'elle fasse ça. Bam, on te pique dans le cul. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon quand on pète pour le sang comme ça. Genre. Ah ouais, elle fait du karaté. Elle fait du karaté. Cette dame est ceinture noire de karaté. Putain, c'est pas honteux ça. C'est pas honteux ce qu'elle vient de faire. Encore, attention au screamer. Baba screamer. Allez, ce que tu vas faire, alors je t'explique le scénario. Tu vas prendre ton livre de merde, tu vas le regarder 10 fois, et moi je te suce le sein jusqu'à la mort. Je ne l'ai tout de même pas jeté. Oh, je ne l'ai tout de même pas jeté, ma culotte préférée. Mais où ai-je pu la mettre? Par ici? Non, je crois que tu sais ce que tu cherches, et juste là, en face de moi. Le bon vieux temps. Au-dessus du smiley, là. Allez. Allez, Micheline. Allez. Qui? Oh putain. Elle s'entraîne pour nous mettre un coup de jambe. N'oublions pas qu'elle est ceinture noire de karaté. Allez. Bah allez. Go, 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 go. Hop, on te plombe. Notre dard. Et on pépon, et on pépon, et on suce, et on suce, et on adore ça. Ah, c'était le bon vieux temps. On va se barrer. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. Hein? C'était le bon vieux temps. T'étais si jeune. Hein. La fuite, la fuite, la fuite. Ah c'est bon, je commence à gérer le jeu. Je commence à le gérer. Mais oui, je peux bien le mettre. Allez, fais ta prise. Oh. Voyons voir. Voyons voir. Et après, elle fait waouh. Je ne l'ai tout de même pas jeté. Oh. Par ici. Ma culotte préférée. Quand tu veux. Ah, t'as pas fait ta prise de karaté, je suis déçu. Ah là là, je lis pour la quatrième fois ce livre, il est tellement passionnant. On a fini, let's go. Vous imaginez vous jouez à ça quand vous êtes petit. Oh, oh my god. Je t'ai vu faire ta prise de karaté. Ah, je t'ai vu. C'est reparti. Presque un autre objectif. Dès qu'elle lève la jambe, vous ne me voyez plus. Mission complete. N'oubliez pas qu'il faut toujours bien ranger ses affaires. Et en plus, il me donne des conseils. Oh bordel, elle est pas contente. Enfin. Elle a trouvé son livre, elle est contente.
Eh ben. Bon les amis, j'espère que cette vidéo un peu what the fuck vous a plu. On va juste voir la troisième couleur qu'on a débloquée. Ok, en fait c'est juste blanc, ok, ils changent juste comme cette couleur. Okay. Donc la plus belle couleur, bien sûr, c'est la première. Donc dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Moi je veux bien vous en refaire, vu qu'on a compris un peu le système. Si tu veux, moi je formate, hein. Moi je formate, j'ai un mec qui formate moi. Appuie sur croix. Ah, il faut une heure pour se gagner une partie. Ouais, c'est bon. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo what the fuck, comme j'ai déjà dit. Donc, n'hésitez pas à aimer, commenter, à vous abonner, comme d'habitude. C'était Kent, dans Mr. Mosquito. Allez, bisous, bisous.